وعلى هامش حفل التوقيع كان لنا لقاء مع وزير المالية الفرنسي، حيث تحدث فيه عن الوضعية الأمنية في شبه المنطقة، مزكيا الدور الذي تقوم به السلطات الأمنية والجيش الموريتاني في تأمين حوزتها الترابية والدور الذي تلعبه في شبه المنطقة. Et nous souhaitons et nous accompagnerons jusqu'au bout le dialogue au Mali, par exemple, entre toutes les parties prenantes pour qu'il y ait un accord politique qui permette à tous les territoires et à tous les Maliens de se sentir intégrés au sein du développement politique et économique du Mali. Donc tant que ces questions politiques ne sont pas allées jusqu'au bout, tant que nous n'aurons pas réussi les uns et les autres tous ensemble à éradiquer ce qui reste encore de présence ou de poche de terrorisme, oui, il y aura danger, difficulté. Ces difficultés reculent, ces terroristes reculent, ces terroristes sont éliminés. Il y a des actions extrêmement courageuses, en particulier de l'armée française, en appui aux armées locales, qui montrent l'efficacité du dispositif. Mais il reste des dangers, et ces dangers, nous devons les regarder en face. Quand il y a un danger, il faut le nommer. Si on ne le nomme pas, on crée encore plus d'inquiétude. Il faut le nommer, il faut le poursuivre, il faut le détruire. La question des zones rouges ou de la zone rouge en Mauritanie est une question extrêmement délicate et difficile. Parce que le premier devoir d'un pays, la France, c'est d'assurer la sécurité maximale pour ses concitoyens, pour ses ressortissants. Et donc le premier devoir d'un pays, c'est d'indiquer les dangers, les difficultés qui pourraient exister dans telle ou telle partie du monde. Et la Mauritanie a été soumise à un moment donné à des risques tout à fait considérables du point de vue du terrorisme. Toute cette partie de l'Afrique est aujourd'hui encore soumise à des risques très importants. Et donc le premier devoir d'un ministre, c'est de dire à ses concitoyens, ne prenez pas de risques dans des conditions qui seraient ensuite mettraient en cause et leur intégrité physique et aussi l'obligation pour la France de réagir dans des conditions difficiles. La deuxième chose que je veux dire, connaissant bien ce pays, connaissant bien la Mauritanie, c'est que la Mauritanie a fait depuis longtemps des efforts absolument considérables de sécurisation de son territoire, avec une armée extrêmement efficace, qui a su, en particulier dans le nord de la Mauritanie, contrôler son territoire et faire face à toute possibilité d'incursion et de mise en œuvre d'actes de terrorisme. Et donc je sais que la Mauritanie a beaucoup, beaucoup, beaucoup sécurisé son territoire et que la situation n'est pas du tout la même aujourd'hui que celle qu'on pouvait connaître il y a quelques années. Donc c'est de tout cela dont il faut tenir compte, dont nous devons tenir compte. Mais bouger dans un seul pays, c'est difficile. Il faut que nous apprécions la totalité des risques sur la zone pour nous permettre de prendre des décisions qui pourraient être favorables au développement, en particulier du tourisme. J'ai connu la région d'Atar et de Shingeti comme étant une grande région de tourisme, une région où des Français avaient un plaisir extraordinaire à venir non seulement rencontrer des paysages, mais aussi rencontrer des hommes et des femmes. Et je souhaite de tout cœur qu'ils puissent en être ainsi le plus rapidement possible.